paix et joie du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue dans le puissant et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là dans sa présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de grâce. Nous venons encore à ses pieds, lui rendre toute la gloire, l'adoration, la louange qui lui sont dues. Nous voulons adorer le Seigneur ce matin, l'Adonai, le Seigneur de nos vies. Nous voulons élever le nom du Seigneur en ce matin. Nous voulons adorer l'Adonai, le Seigneur de nos vies. Bien-aimé, je t'invite avec moi pour ces quelques minutes à adorer le Seigneur, à oublier tout, à tout oublier et rentrer au plus profond de toi et adorer le Dieu qui est présent parmi nous. Jusqu'à
Oui Seigneur, tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté. Parce que c'est toi qui fais toutes bonnes choses. Parce que c'est toi qui t'es donné à la croix pour nous, par amour. C'est toi qui nous as tant aimés, Seigneur. Tu es si grand, ô Dieu. Et ta grandeur se manifeste dans ta miséricorde. Tu es le Seigneur de nos vies, notre Seigneur et notre Sauveur. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous venons vers toi ce matin. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Tu es Adonai. D'adoration. Est-ce que tu peux adorer ton Seigneur avec tes mots bien-aimés? Est-ce que tu peux lui rendre le culte qui lui est dû avec tes mots? Lui dire qu'il est le Dieu qui mérite l'adoration, le Dieu qui est assis sur le trône de gloire, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ce temps de grâce que tu nous as permis de passer. Que ton nom soit à jamais béni, que ton nom soit toujours adoré dans toute la terre. Toi qui es un avec le Père et l'Esprit Saint et qui régnais à jamais pour les siècles des siècles.